Thank you. I didn't do anything. You did everything. You accepted me for who I am, and not for what you wanted me to be. C'est la première fois que vous venez faire une thérapie? Oui, et je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon mari devient un peu un manipulateur pervers en ce moment. Alors, avant d'employer des termes aussi forts, décrivez-moi un peu votre mari, d'accord? Bah, il est de plus en plus agressif, il me trompe beaucoup, il... Pardon? Non, excusez-moi, c'est juste que... Bon, j'enlève le masque de psychologue 2 secondes. Hop là. Non, c'est juste que mon ex-mari était pareil, donc je vois très bien à quoi vous faites référence. Voilà, je le remets. Tac. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'enlève le masque encore une fois. Quittez-le, ce bâtard. Bien sûr, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché. Je remets. Je peux vous proposer une thérapie de couple pour voir comment s'améliorent et évoluent les relations dans un futur proche. D'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non? Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non! Qui c'est qui parle? Vous êtes attristé, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui dis? Raccroche. Raccroche, Dieu, raccroche. Écoute, mon donne-moi ça. On a perdu un client. J'ai fait une contre-performance. Bon. I just came into the party for the drugs. 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 I'm not trying to make a friend or fall in love. Love. Oh, Mickey, it's so fine. So fine, you got my mind. I'm serious, I can't feel anything. Hit me.